On s'égare. Salut YouTube! Bienvenue pour la campagne avec Eltarion, l'elfe Batman, l'elfe qui fait des choses inavouables dans sa cave, comme une certaine personne infréquentable que vous connaissez. On a beaucoup de choses en commun. Alors, attention, c'est une faction que j'ai testée comme l'autre, comme Grom. En œil du vortex, ici on va jouer en Empire Mortel et on nous annonce un défi difficile parce qu'on ne commence pas à Ultuan, on commence chez les peaux vertes. Alors là, ça promet. Bon, Eltarion, on commence quand même avec de belles choses. Donc déjà, garde argentée, bonne unité pour anti-large. Bon, ils font pas tellement de dégâts, faut pas compter sur eux pour faire des dégâts, mais très bonne unité pour bloquer la progression des troupes adverses, puisque quand même 75 d'armure, un bouclier d'argent, une bonne défense de mêlée, très bonne d'ailleurs. Donc ils sont très bons pour ça. On bourre les archers derrière et tout se passe bien. Une unité de lion de guerre, vous allez voir, c'est tout de suite du plaisir. Et le phénix arcanique qui donne... Rien que pour ça, qui donne trois vortex de feu statique gratuits en vent de magie dès le début de la campagne, c'est beaucoup de plaisir. Alors, le donjon d'Atel Tamara, donc on verra ça c'est la mécanique de campagne principale d'Eltarion. Je vous expliquerai ça en temps et en heure. Les brumes d'ivresse, ça c'est une capacité spéciale aussi pour pouvoir, bah, tout simplement, ce sont les brumes magiques qui entourent et normalement protègent Ultuan. Il y a une capacité vis-à-vis de ça pour que les troupes adverses qui s'approchent d'Ultuan aient de l'attrition, enfin, en tout cas qui s'approchent d'ivresse. Relation diplomatique, moins 80 avec les peaux vertes, en commençant chez eux. Et rang recrutement plus 3 pour l'infanterie de lancier et de ranger. Immunisé à l'usure contre les terres arides. Ah, ça c'est déjà, c'est bien. Commandement plus 8 pour l'infanterie de lanciers et de rangers. Défense plus 8 pour les lanciers et les rangers. Attribut provoque la peur en combat contre les peaux vertes pour l'armée du seigneur. Pas mal pour briser le moral, ça va être plutôt utile. C'est parti! Ah oui, non, il y a d'abord le chargement, pardon. Et ne vous étonnez pas, hein, sur YouTube, il y a certaines alertes qui sont un petit peu plus estompées. Enfin, il y a certaines alertes qui ne font plus de bruit, parce que bon, il y en avait un petit peu beaucoup, vous étonnez pas. Du coup, j'ai diminué un petit peu le nombre d'alertes qui font du bruit, histoire d'être un peu moins interrompu pendant le gameplay. Hein. Donc je ferai de temps en temps des petits tours pour remercier les gens... N'est-ce pas? Salut à tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue, installez-vous. On commence à peine, c'est on trop se lance. Pour un seul homme. Ah ben voilà, par exemple, voilà, merci beaucoup Gorgo pour les 500 bits, non plus que ça, mais peu importe. L'alerte ne restera pas impuni, gardien. Vous avez laissé Thor Ivresse dans un état de grande vulnérabilité, mais la poursuite de Grom Lapence vous a forcé la main. Et mener jusqu'ici dans les terres arides. Les orques sauvages ont déjà commencé à nous envahir depuis leur bastion à Galbaraz. D'autres vagues sont à prévoir si on ne les repousse pas dans les meilleurs délais. Les orques et les gobelins ne sont pas les seules créatures perverses à peupler ce lieu hostile, monseigneur. Les hommes bêtes parcourent ces terres. Et petit à petit, la souillure des morts-vivants se répand depuis la nécropole de Morgheim, située non loin de là. Cette région est dominée par la puissante tribu des haches brisées de Grom. Vous ne devrez pas douter de votre force avant de les affronter. Et méfiez-vous, ne laissez pas Thor Ivresse sans protection avant de vous impliquer dans cette guerre. La vengeance vous attend, gardien. Vengez la mort de votre frère et de votre père, et vengez surtout votre peuple. Détruisez Grom Lapence et éradiquez la menace des peaux vertes. Oh! Ah oui, non mais d'accord! Oui, je veux bien admettre que c'est un défi probablement difficile. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce vieil homme. Par contre, à qui est-il, s'il vous plaît? La personne à qui appartient ce vieux sur le parking est priée de venir le récupérer. Il gêne les passants et il sent la pisse. Merci. Alors, mais quel enfer! Regardez-moi ça, dans quoi on commence!
Des peaux vertes de partout, il y a des morts vivants par ici, il y a Grom qui est pas loin, Grom qui est dans les montagnes ici. Il y a des Skaven. Ah, on a quand même les principautés. Est-ce que tu veux... Il veut rien pour l'instant. Oh. Oh là là, mais je commence en guerre contre Grom, contre les Skullcrag. Ah ouais, mais ils sont loin, eux. De toute façon, ils vont me déclarer la guerre en boucle. Ah, j'ai un accord commercial avec, d'accord, des forces d'Ultion. Et on commence sans muraille. I hear the Widowmaker. Prince Eltharion. Qu'est-ce que je peux avoir? Bon, des archers, c'est déjà ça. Où sont les autres Galbaraz. Oh, Galbaraz, allez chercher ça. Oh là là, oh là là. Oh là là, mais la forme de cette truc, c'est dégueulasse. Oh, c'est infernal. Oh, c'est infernal prendre un truc pareil. Quel enfer. Bah, la province est très... L'espace entre les villes est hyper éloigné, donc sans muraille, ça va être une catastrophe pour tenir ça. Je possède Tor Ivrest. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, Cavill! Oh, oui! Oh, c'est Henri! Bienvenue, Henri! Maître du savoir. Alors ça, sur une armée, ça fait quoi en travers la reconstitution? Je m'en tamponne, Henri. On va faire autre chose de ta vie, Henri. Toi, tu vas être intégré dans... Alors non, tu vas être... incorporé dans l'armée de madame. Madame Lorna. Voilà. Archimage. Alors, archimage de quoi? De la bête! La lance d'ambre! Oh, mais ça, j'en peux déjà plus, moi. Ouais, mais je vais pas recruter des trucs ici. Mais attends, je vais devoir me battre sur deux fronts. Mais si je dois me battre sur deux fronts, comment je fais? Financièrement, ça ne va jamais aller. Ronti Mingle, c'est un port, ça veut dire 200 de revenus. C'est pas si dégueu, mais... du coup, faire un bâtiment militaire ici, je m'ennuie. Je crois qu'en fait, ce que je dois faire, c'est ça. Hein. Je sais pas. Attendez, ça mérite réflexion. Hein. Ça mérite réflexion quand même, hein, parce que... J'ai du coup des investissements à faire dans deux provinces différentes. Bah, sinon, sinon il y a la solution de Courage Fuyon. On prend les unités de d'Eltarion sous le bras et on se barre. Mais j'ai pas envie de jouer ça, j'ai pas envie. On va essayer de tenir. Si je veux tenir, parce que bon, avec les archers ou elfes, ma foi... On peut faire beaucoup de choses. Donc je vais faire ça, effectivement. Donc tu te mets là, mon grand. Et là, pour l'instant, je prends, allez, un lancier quand même. Et on va commencer à recruter des archers. Bon, archers, ça fait le café autant qu'on veut. Ah, j'ai des gardes à Tor, des gardes à lance de Tor Ivresse en début. Donc c'est les unités spéciales qui viennent avec... uniquement disponibles pour la faction... de Deltarion. Donc si vous achetez le DLC mais que vous jouez un autre seigneur légendaire au elfe, vous ne pouvez pas recruter ces unités là, elles sont vraiment spécifiques à Eltarion et donc elles correspondent à des variantes d'unités existantes. Donc par exemple les gardes à lance, c'est l'équivalent de des gardes maritimes de base, mais ils sont meilleurs. Déjà ils sont indémoralisables, ils encouragent, ils ont des meilleures stats, bref ils sont c'est chaque fois vraiment des meilleures versions. Donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas grand chose en fait. On va faire ce premier combat. Surtout que j'ai des unités pas dégueu, deux personnages lanceurs de sorts. Ah oh, oui, d'accord. Magic's unleashed. Oh, il est parti loin. I know my destination. Ah oui, mais il faut que je prenne cette province le plus vite possible. Alors. Maître du savoir, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être le truc, ouais. Ah, le buveur d'esprit. Buveur d'esprit qui sera très bien pour lui. Ah, je suis pas là. Bah non, quoique j'ai besoin de recruter en fait. Ah, les fameux rangers qui sont pas mal du tout comme infanterie de contournement au début. Archer armure légère, là, strictement rien à foutre. Et une unité d'archer de plus. Ça m'intéresse.
Bon. La diplomatie! Rip l'économie. Non, non, mais vous en faites pas, on va se battre. Quoi? Il y a le truc qui vient d'exploser, là. Il y a une ville pauvre qui vient d'exploser. Voilà, je vais récupérer de Tralinia au prochain tour. Grom commence pas au même endroit. Il est dans les montagnes juste à l'est de mon territoire. Enfin, quand même un petit peu plus à l'est. Il est pas tout près. Mais il est pas loin. Alors, donc j'ai 1000, on est à moins 600. Déjà, je vais chercher ça. Voilà, plus 1000, très bien. Ça va être très très compliqué sur le plan économique, je vous l'accorde. Il va falloir s'étendre très vite, être très agressif. Il y a une autre épave là, éventuellement. Mettre un sac ne servira à rien, je vais occuper. Alors, Eltarion en campagne fonctionne avec ceci, les ravitaillements du gardien. Ça c'est une des mécaniques de gameplay d'Eltarion. On en gagne en effectuant diverses tâches, notamment en exécutant les prisonniers, on verra ça juste après. Les ravitaillements font grimper cette jauge qui va définir le niveau de défense de Thorivres, sachant que l'objectif de la campagne, c'est de survivre à une invasion scriptée de Grom en fin de campagne. Donc il faut faire progresser les niveaux de défense d'Ultuan, de Thorivres, jusqu'à cette nouvelle invasion de Grom, en fait. Tout simplement. Donc les ravitaillements sont utiles pour ça. Et là, on a la fameuse nouvelle interface très stylée de notre ami Eltarion. Donc, on va pouvoir prendre des personnages adverses et les capturer. Les capturer, on les verra ici lorsqu'ils seront capturés. Vous verrez comment on les capture en bataille. Il y a une tactique à faire très précise et plutôt cool d'ailleurs. Il ne faut pas se louper. Vous verrez ça dans très peu de temps. Une fois qu'on a un prisonnier, on va pouvoir en faire des choses, on va pouvoir l'interroger, on va pouvoir l'exécuter, on va pouvoir l'endoctriner et le posséder et le renvoyer dans sa faction qui nous donnera des bonus divers et variés. Et vous voyez qu'ici, donc chronologiquement, on est après la première wag de Grom qui a dévasté totalement Ultuan. Et donc, tout est en ruine autour de Thorivres. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est reconstruire les différentes infrastructures qui se trouvent ici. Et pour ça, on va avoir besoin des ravitaillements du gardien. En dépensant des ravitaillements du gardien, on va monter le niveau de ces bâtiments-là. Déjà, on va les réparer. Ensuite, on peut upgrader leur niveau. Et ça va nous donner des bonus divers et variés. Par exemple, je vais peut-être majoritairement chercher des trucs qui me rapportent de la thune dans un premier temps. Là, par exemple, qu'est-ce que ça donne? Bénédiction de l'Adriel plus 5. Bénédiction de l'Adriel, donc c'est... En gros, c'est voilà, c'est ça qui détermine le niveau de défense de Thorivres. Là, pour l'instant, je suis à combien? Je vois pas. Ah si, voilà, j'ai 5 pour l'instant. Ça donne quoi? Active brume d'ivresse, bénédiction de l'Adriel, oui, non, on s'en fout. Déverrouille la capacité d'interroger les prisonniers, non, on s'en fout. Ça, c'est militaire, me semble-t-il. Déverrouille la chaîne de construction des arpenteurs de brume, donc ça, c'est les fameuses nouvelles unités qui sont disponibles uniquement pour Eltarion. Donc ça m'intéresse pas trop non plus, parce qu'ils sont pas nécessairement donnés, surtout quand on a une trésorerie comme la mienne. Capacité d'unité plus 4 pour les Face Bearer. Non! A Mistwalker unto death. C'était probablement le meilleur choix. Je n'en doute pas. Qu'est-ce que je viens de faire? Excusez-moi, madame. 4 unités de Facebearer. De Facebearer qui se recrutent. Là, oui, c'est ça, au tiers 3. Hein, oui. Vous venez de m'annoncer que je viens de prendre un bonus qui ne me sert strictement à rien avant 20 tours. Je suis sûr que tout va bien se passer. Ça vaut de la thune. Revenu provenant du pillage de colonies. Plutôt prendre l'ordre public, en fait. C'est mon doigt, il fait ce qu'il veut. Hein. Ah, vivant d'esprit.
Mais je vais devoir pas recruter plus que ça. Oh là là. Bah, je suis déjà passé à moins 300. Hein. Ce qui est déjà mieux que les moins 660 de tout à l'heure. Oui, mais si j'ai pas plus d'unités que ça, je vais aller nulle part. Oh là là! Call the Green. Donc je vais pas faire ça maintenant. Pas trop le choix. Hein. Comme ça, j'ai encore 2000. Voilà. Quand même un lancier de plus, faut pas déconner. Grand aigle, nanana, non. Réduction de rechargement pour les archers et les gardes maritimes, voilà. Hop, on bourre les améliorations pour les archers au début. Jouer aux elfes, c'est comme ça que ça marche. Ah oui, c'est ce truc-là qui vient d'exploser. Ce qui m'arrange pas nécessairement, en fait, parce que c'est... Du coup, faut le reconstruire. Enfin, quelqu'un va le recoloniser de toute façon. Oh là 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 là, eux ils vont déjà revenir avec deux armées full dans 5 tours. Bah, j'aurais presque envie d'être agressif, mais je peux pas avec l'armée que je me tape. Ah oui, commerce. Ne vous en faites pas, ça va venir. Je me chauffe, mais ça vient. Alors là, c'est fait. C'est fait avec un petit peu tout le monde. Bon, il me faut au moins un pacte de non-agression avec, avec lui. Ah bon ? Defender of the Everqueen. Give the word. Welcome to the court of Ulthuan. Impossible. Eh, je vois pas à l'Ariel, tiens. Oh, mais personne ne m'aime en plus ! Greetings. We made a weak order. Oh là là ! Ah d'accord, mais y a rien à faire. Je peux compter sur personne. Ah, là, je suis à moins 700. Bah, je vais mourir. Tant pis, hein. Duty is purpose. C'est la pire idée. Mais je peux rien faire d'autre. Mais Galbaraz. C'est là que j'aurais dû aller. Pourquoi je vais à Galbaraz? Bah, quoique, cette unité en garnison... Et Eltarion est tout seul. Ah oui, non, mais c'est hyper différent de l'œil du Vortex. Parce que l'œil du Vortex, comme Eltarion commence à Tor Ivresse, on a Henri, qu'on peut mettre dans l'armée. De bon, toute façon, si Eltarion meurt... Ah, il y a le truc. Si Eltarion meurt, on repart à Tor Ivresse et puis c'est tout. La priorité, c'est Tor Ivresse. Ah, c'est bon. J'aurai pas de faillite au prochain tour, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Merci Vicarius pour le Prime. Merci Bob Steel pour le Prime à l'instant aussi. Bienvenue. Merci Golden Pachydien pour les 100 bits. Merci Eraknos. Pour le raid, merci Capsi. Merci pour le sub. Et Ionero aussi pour les 100 bits. Merci Grey Fox pour le resub. Voilà, ça marche bien ce système. Je peux quand même vous dire merci. Et en même temps, on n'a pas... Je suis à 100%. Je suis à 100% de mes capacités. Vous le sentez, non? Je pense que c'est flagrant. Je pense que ça se voit, vous pouvez pas dire le contraire. Regardez-moi comme tout va bien. Bon, mais là je peux faire du pillage du coup. Mais sérieusement, s'ils ont une armée à la mine de la corne de dragon, et que moi je peux atteindre Galbaraz et qu'il y a personne, petite armée. Il n'y a pas de pillage. Exercise discretion. Fang sword ready. Il n'y a pas d'hélice, hélas. Eh, mais attends, mais je peux les atteindre. Il y a quoi? Il y a 6 unités dedans. Il y en a 7. ce serait audacieux. Par contre, ça, c'est un coup de maître. Si je réussis ça, là, c'est free win après. Hein. Galbaraz est à moi. Attendez, 7 unités en garnison. 6 dedans. Parce que bon, les unités en garnison, ça doit pas être bien terrible. Ça doit être quoi? Du gobelin? De l'orque sauvage!
Mais ils sont à poil, ils aiment pas les flèches. Et donc c'est que de l'orque sauvage. Brook no failure. Mais j'ai Vortex. Lui, il a la consécration, mais... Barrage des arpenteurs de brume, c'est pas mal. C'est une capacité qui se déclenche toute seule quand il est en mêlée. De temps en temps, ça crée un petit bombardement autour de lui. C'est toujours ça comme DPS de plus. Oh là 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 là. Et ils ne bougeront pas, je crois. Haunted by failure. Assume standard formation. Je vais faire un truc. Leave none alive. Je peux pas attaquer tout de suite, évidemment, j'ai pas d'unité assiégeur. Mais au moins ça va. Quoi ? Ah mais non, mais ça va. Ça, en siège, ça c'est bien. Parce que si je me mets sur les murailles, après les flèches, c'est bon, hein, je les tombe. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Je n'utilise pas souvent cette tactique, mais je vais vous montrer un secret de PGM. Si vous la croyez pas, celle-là. Il y a la deuxième armée qui a disparu, donc ça veut dire qu'elle est en marche quelque part. Oui, mais non! Là. Je suppose que mes unités sont encore en très mauvais état. Ouais, même pas midlife, super. Bah, de toute façon, je tente un truc avec Eltarion. Si ça ne marche pas, encore une fois, là, ce sera retour à Torrivres. Ah non, il repart vers Lauterne. Lauterne qui va très vite se fâcher tout rouge sur lui, hein. ça c'est évident. Mais par contre, Lauterne, si je ne fais rien, c'est lui qui va récupérer les territoires des Peaux Vertes qui sont à côté de moi. Donc ça m'emballe moyen. Ça m'emballe. I claim this for Moraine. Cette arnaque à l'auto-résolve, c'est scandaleux, désabonnez-vous. C'est pas du tout ça que je comptais faire en plus. L'escroquerie, mais c'est une campagne OELF, attendez, l'escroquerie c'est... Vous appelez ça de l'escroquerie, moi j'appelle ça de l'optimisation. Fiscale évidemment. Comment ça moins 800? C'est encore pire que tout à l'heure. J'ai perdu un accord commercial. Oh, je peux pas recruter quoi. J'ai un bâtiment militaire. Je vais le remplacer par un bâtiment de pognon. Hein. Ah, ça ne fait que 100 au départ. Parce que ce que je veux... Bah oui, les archers, je peux les recruter de toute façon avec mon truc. Et les lanciers aussi? Bah oui, les lanciers de base aussi. Donc allez, je vends ça, c'est bon. Prendre la thune. Bon. Là, j'ai envie de dire, si j'avance par la mer, il y aurait encore bien moyen d'aller les chercher, parce que là, ils sont très peu nombreux ici. Mais... Hey. Ils vont me voir et ils vont me sauter dessus avec les deux armées. Enfin, en tout cas, ils vont se rapprocher. Par contre, si je vais jusque là... En fait, ils ne me verront pas. Ils n'auront pas la vision ici. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur truc? 10 unités... Ne faites pas ça chez vous, hein. Pas trop loin. Un petit peu plus loin. C'est peut-être un poil trop loin. Mais de toute façon, ils coûtent trop cher tous ces gens. Oh, par contre, là, Grontimingle, il tiendra jamais. Au pont. Non.
Ils m'ont vu! Ils m'ont vu! Il y a beaucoup de gobelins. Oui, ça se fait. Peut-être. Ah, il y a ça quand même, les boys là. Deux unités de gobelins, seigneur gobelin. Bon, Henri, il est son buveur d'esprit. Buveur d'esprit plutôt ok sur les trolls et sur les deux seigneurs. Donc pour tomber le seigneur orc, c'est pas trop mal. Oh, le conduit! Ah bon? Le conduit arcanique de base, mais bravo mademoiselle! Félicitations, la nuée infernale, pas de lance d'ambre, mais bon, on va vous excuser. Elle a un conduit, et forcément, elle a pas de lance. We need not fear our lessons. Ah, mais lui, je peux lui tomber dessus, il va être tout seul. Oui, oui, je vais provoquer avec la cave. Ils ont pas de mobile. Je vais pouvoir bien les emmerder avec les patrouilleurs illyriens. Ça, c'est sûr qu'on va se faire plaisir. Par contre, j'ai que 3 tireurs. C'est ça qui est un peu dommage. Bon, les rangers sont pas mauvais, quand même. Honnêtement, en infanterie d'attaque, surtout que là, il y a de la forêt, on va pouvoir en tirer un petit peu avantage. Si ça blob, nuée infernale, ça va bien se passer. Comment je vais la jouer? Je vais la jouer... Comme ça. Et les rangers ici planqués. Je vais juste les éloigner un petit peu parce que j'ai pas envie qu'il y ait de soucis. Ok, c'est parti. Donc ça, c'est la nouvelle capacité de la campagne aussi. Donc ça, je le prends si je clique sur le... Attention, hein, pas de bisclic. Mais donc si je le déclenche sur un seigneur ou un... Enfin, oui, un seigneur adverse, il est immobilisé dans une espèce de cage magique qui lui fait des dégâts, d'ailleurs, un peu à la manière d'un buveur d'esprit. Et si le personnage meurt tant qu'il est dans cette cage, je le capture. Donc c'est ça le système de capture. Et après, je peux l'utiliser, l'exécuter, ce genre de truc, pour récupérer notamment des... Ça donne des ressources. Je vais venir prendre position sur cette petite butte. Ouais, c'est plutôt à plat, mais soit. Alors, surtout pas tirer sur les trolls, vu qu'ils se régènent, ça va servir strictement à rien, ce serait des munitions gâchées, donc je vais pas trop tirer, les munitions vont compter, là. Faut bien calculer son coup. Oui, tout à fait, faut bien calculer son coup avec la cage. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut... il faut vraiment... Aïe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut vraiment... être délicat avec ce truc et vraiment le déclencher au bon moment, sinon... C'est perdu. Consanguin bilatéral. Merci Clément pour les 400 bits. Merci beaucoup. Je vais rester sur leurs arrières. Oui, mais là, ils sont de face. Ils ont la parade bouclier. Ça m'intéresse pas des masses. Qu'est-ce qu'ils voulaient me lancer comme sort, là? Par contre, si j'arrive à maintenir les deux unités d'orques en mouvement, ce serait pas mal. Qu'ils ne viendraient plus participer au combat, quoi. Les rangers, si je les avance pas, ils serviront à pas grand chose. J'ose pas les faire passer par ici parce que s'ils me coincent contre le bord de la map, c'est terminé. Patrouilleur illyrien, c'est beaucoup trop fragile. Ça fait quand même beaucoup d'orques, oui, je suis d'accord. Allez, passez par là. Mais c'est rapide. On va quand même balancer quelques salves. Hein. Ces deux unités-là sont toujours à mes fesses. Oui. Attention à leurs flèches à eux. De la cave aussi peu protégée. Ça n'aime pas les flèches. Encore moins quand c'est des patrouilleurs illyriens.
Il m'emmerde avec son truc, lui. Là, par contre, là, une petite charge sur les archers, c'est tout à fait ok. Hein. C'est des gobelins juste à côté, donc je risque pas énormément. Toi, mets-toi bien dans à l'intérieur du rang. Voilà. Allez, non, 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 mais non, mais la charge! Vous arrêtez pas pour un gobelin, enfin! Voilà, ça c'est tout à fait ok, ça. Bon dégâts, ils ont pris très peu, ils ont pris très peu de dégâts eux-mêmes. Donc c'est bien. On va leur remettre une couche, on attend que ce soit sec. Ok, là mes tireurs commencent à faire leur taf. Ça n'a pas l'air de s'approcher de mes rangers pour le moment, ils n'ont pas été repérés, parfait. On ne tire pas sur les trolls. Bon, maintenant je vais essayer de ne plus trop m'occuper de mes patrouilleurs parce qu'ils viennent de défaire l'armée bien comme il faut. Ouais, il faut y aller là. Ah, le conduit, j'ai jamais donné du conduit. Ouais, je pense que je peux arriver maintenant avec leur truc. Tiens, hop. C'est l'orc ou c'est pas l'orc? C'est l'orc. Attention, ça... Ah oui, oui, non, ça fait trop mal. Oh, il commence avec la potion d'endurance, très bien. Voilà, maintenant qu'il est engagé avec les... Ah! Attends, aidez! Patrouilleur! Là-bas! Oh putain, mais l'ancien! Buffle, buffle! Potion et défense, il est tout seul. Attends, recule! Cette saloperie de gobelin! C'est quoi ça? Merde, c'est des boys. Pas terrible, c'est pas terrible. Par contre, il tient, Henri. Allez! Claque-lui ça, c'est pas encore le moment de balancer la cage. On patiente. Et vous allez vous en sortir contre des gobelins quand même. Mais c'est vrai qu'en mêlée ils sont plus défensifs qu'autre chose. Ah! Non, si, ça passe. Aïe, 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 il lui faut du soutien. Dégage, dégage, dégage. Ok, cave, cave, cave. Oh non! Non plus! Allez. Buveur d'esprit prochainement. C'est pas possible, ces gobelins! Aïe! On va pouvoir le tomber. Très bientôt. Je vais regrouper les rangers. Hop! Les trolls vont être compliqués. Les trolls vont être très compliqués. Vite la cage! Maintenant! Oui! Il va mourir! Tuez-le, bordel! Balance-lui ça! Fais quelque chose! Oui! Ah! Prenez les flancs, faut pas qu'ils viennent. C'est trop pour un seul homme. Oh là, merci beaucoup Ticosto pour les 5000 bits. Attends, c'est pas fini. Non, je vais toujours m'emmerder. Aïe, 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 aïe. C'est trop pour une seule femme, mais enfin. Voilà. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon. Ils prennent tarif, mais quand même. Mais chargez-moi ça. Voilà, il tiendra pas. Bon, ici ça dit quoi? Ah, ils sont engagés en 1v1, ça n'ira pas. Reculez! Les trolls reculent. Les trucs reculent aussi. Toi, tu te balades. Les trolls vont revenir. Ok, faut qu'elle se reforme. Waouh, 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 mes bordels!
Et j'ai plus mon soin. Wow. Ok. Allez, on essaye de finir les unités. Elles se reforment. Allez, sors les patrouilleurs, sors les patrouilleurs. Là, c'est que des gobelins. On leur fait une petite charge et ils devraient foutre la paix à mon... à mon truc. Reculez. Là, c'est 2 contre 1, mais ils ont l'appui des archers. Ça, c'est un peu pénible. Ok, les gobelins vont pas tenir. Le conduit. C'est seigneur gobelin, ça. Faut que tu te reformes. Henri. Ah, les trolls qui reviennent. Henri, on a besoin de toi, Henri. Fais quelque chose. Non, c'est bon. Arrêtez le combat, vous. En face à face, c'est pas, ils sont pas faits pour. Ok. Henri, il est de retour. La nuée. Oh là là, leurs archers, je dois les neutraliser. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Allez, vos dernières salves. Et buveur d'esprit sur les trolls. Heureusement qu'ils n'ont pas de morale. Allez, 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 allez. Tant pis, je balance ça. Maintenant, vous nettoyez leurs archers, vous. Ah ! Oh, c'est si tendu, c'est si tendu ! Reculez, vous autres. Allez, Henri ! Oh, j'ai plus de mun. On temporise. J'ai dit, on temporise ! Où sont les trolls ? Ils vont revenir ? Ah ! Que je remette un max de pression. Oh oui, j'en profite pour aller là. Je vais regrouper mes rangers. Tapez les quelques salves qui vous restent là. Oh là là là, la conduit, le conduit. Il faut qu'elle s'excite le conduit. Il faut qu'elle agite son conduit. Il faut qu'elle... Il faut de la magie. Oh merde, ma cave. Ok, les trolls, c'est bon. Pouah, j'ai pas une seule unité qui soit un minimum en état de faire quelque chose. Mais ils ont déjà pas mal d'unités perdues. Conduit. On va charger ça, ça fuit, ça va fuir définitivement. Ah, mes rangers qui sont à l'autre bout de la planète, ça m'arrange pas des masses. Ok, on va se rapprocher des rangers. Ah, les trolls reviennent. Ok, ça c'est bon, j'ai accroché les archers, ça va aller. On temporise, on temporise. Oh, le moral qui tient plus qu'un fil. Allez, les boys, il faut qu'ils se barrent. Ok, revenez maintenant. Quelques salves sur les boys. On va gratter tout ce qu'on peut. Elle avance pas. Elle avance pas. Elle s'est tordue la cheville. Non. Reste à côté. Reste à côté pour le moral. Ok, bande de casse-couilleries. C'est les trolls. Oh, c'est les trolls. Ils plient les bagages. Allez, Henri. Allez, tu les meules. Tu les meules. Tu leur fous dans le cul. T'as une grande épée à deux mains. Tu leur fous dans le cul. Réfléchis pas, Henri. Tape. Allez, tire, Henri. Tu tiens le bon bout. On a plus de conduit. On a plus de conduit. C'est pas grave. La charge. Ça va partir. Allez. Oui. Il n'y a plus que le petit qui a l'air malade. Oh bravo Henri, bravo Henri. Oh cette bataille. Allez, paf.
Il va foutre le camp, il va foutre le camp, il va faire prout. Vous en faites pas, je les connais ceux-là. Je les connais. J'en ai déjà vu des comme ça. Il a l'impression qu'il manifeste et qu'il fait chier quelqu'un, mais en fait il va faire prout, vous en faites pas. Mettez-lui un petit coup de pression, ça va bien se passer. Voilà. Oh, un petit coup de conduit, un petit coup de conduit. Vous refaites ça. Et on ne peut utiliser la capacité de cache qu'une seule fois par bataille, donc un seul guerrier capturé par bataille maximum. Bon, vous lui faites quelque chose ou comment ça se passe? Oh, wow, wow! Oh! Oh mon Dieu! Oh, j'en peux plus. Pouah! Merci Ticosto pour les 5000 bits, merci Gorgo pour les 100 bits à l'instant, merci Aradil pour le resub de 9 mois. Merci Xpatrol pour le resub aussi, pour le sub pardon, et bienvenue, merci Opus à l'instant pour les 300 bits, merci Kiux pour le resub Prime, merci Clément pour les 400 bits, je crois que j'avais déjà dit, merci Rogan pour le Prime, merci Clément pour le Prime, merci Averose pour le Prime aussi, bilatéral. Merci Ragnar le Tocard, je crois pas que j'avais dit non plus pour le Prime. Bob Steele, Vicarius, je ne sais plus. Ah, les patrouilleurs, ils ont tellement carry. Et les archers, hein. Archers, valeur sûre aux elfes, hein. Toujours, tous les jours. Et les rangers, bah, ils sont pas mal, hein. Quand on les utilise en flanking, bon, ici, ils ont tenu un tout petit peu. Ils ont tenu un tout petit peu en face à face avec des boys, mais franchement, ils sont pas faits pour ça. Mais sinon, en flanking, ils sont très bien. Their lives for coin. 100 100 balles. Tout ça pour ça. Tu par contre aucune bataille encore, hein. La moindre bataille de plus et c'est là c'est terminé, hein. J'ai pas un de... Oh, la corruption Skaven qui monte. Il y a déjà des Skaven ici. Ah, mais c'est ça les ruines. Ah, ce serait déjà des Skaven qui ont pris. Oh là là. Ah, d'accord. Prisonnier capturé, yes. On va pouvoir s'en servir tout de suite. Alors, prisonnier. Donc, du coup, le voilà. Alors, donc là, j'ai que deux possibilités. Il y en a une troisième, mais qui se déverrouillera plus tard. Quand j'aurai réparé ça. Où c'est lequel? Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Celui-là, quand je l'aurai déverrouillé, ça déverrouille la capacité à interroger des prisonniers et j'aurai accès à ceci. Pour l'instant, j'ai deux capacités. Donc, quand je ferai un misclic là-dessus un peu plus tard, je pourrai l'avoir. Donc là, pour l'instant, je peux soit l'endoctriner, je le rends à sa faction indemne, mais j'aurai la vision sur la région où il est. Je vole 5% de trésorerie à la faction, j'octroie plus 4 d'influence le prochain tour et je gagne 3 de ravitaillement, donc la ressource Deltarion. Quoi qu'il arrive, j'obtiens 3 de ravitaillement de toute façon. Mais là, je tue le personnage, j'octroie 500 points d'expérience à Deltarion, 8 points d'influence pour le prochain tour. 5% de trésorerie, c'est pas énorme. Mais ça me permet de voir quand est-ce qu'il prépare une nouvelle attaque, puisque j'ai la vision. Les 5% de trésorerie qui sont quand même toujours bons à prendre. Les 3 de ravitaillement. Par contre, du coup, il reviendra. Mais bon, il est de niveau 1, donc de toute façon, que ce soit lui qui revienne ou un autre, ça ne change pas grand-chose. Je vais l'endoctriner. Histoire d'avoir un tout petit peu plus de thunes, donc voilà. Alors, maintenant. Oh là là. Oh, il y a 6 unités en garnison, c'est impossible. Ouais, non, ils sont en pleine forme, ils sont full life, c'est juste impossible. Archmage. C'est bien dommage.
A new fortress of magic. Vraiment pas le choix, c'est vraiment dommage. Par contre, j'ai besoin d'ordre public. La dernière chose dont j'ai envie, c'est d'avoir une rébellion. Je crois qu'un petit sort de sang de la terre, ce serait très très bien pour lui. Je pourrais investir dans des bâtiments, mais j'en ai pas les moyens, quoi. Prince Eltha. Sauf là-dedans, éventuellement. Revenu 100. Ah oui, mais ça produit des coffres elfiques. Ça coûte 750. Ouais, je peux encore me le permettre. Je peux encore me le permettre. Surtout si j'arrive à développer un petit peu mon commerce, ça devrait finir par pouvoir se faire au bout d'un moment. Et ils sont durs en affaires. Hein. En œil du vortex, je sais pas pourquoi, mais ça va beaucoup plus vite. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'Eltarion ensuite? On a Wurzag qui est là. Je n'ai pas envie de le fâcher. Donc ma prochaine cible, typiquement, ce serait Agrul Midgal. Ah, ou Gorgazan. Plutôt Gorgazan d'ailleurs, à choisir. Ou alors je les laisse venir. Mais les laisser venir, ça veut dire... Ça veut dire espérer qu'ils viennent à Galbaras, ça me paraît quand même pas terrible. Qu'est-ce que c'est? Il y a une ressource supplémentaire ici, teinture. Avec un port, les ports ça rapporte pas mal avec les Elfes. Donc il me faudrait plus de ports en fait, je devrais cibler en priorité les ports. C'est une mine, où ça? C'est vrai que mine, ça peut rapporter de la thune aussi. Je sais pas si les Elfes en tirent vraiment énormément de trucs, d'intérêt. Ça, éventuellement, c'est oui. À Galbaras, il y a une mine. Les orques au nord vont m'attaquer. Ouais, très probablement, oui. Oh, c'est chaud économiquement ce début de campagne. Mais surtout avec aussi peu d'accords commerciaux qui tombent, quoi. Dès que je vais débloquer des accords commerciaux, ça ira beaucoup mieux, mais bon. Ah oui, mine de serment d'or. Ouais, bah tiers 3, ça coûte 8000 balles. Ça ramène 1000 par tour, c'est énorme. Mais il faut le faire, quoi. Je crois que je vais essayer de faire popper une rébellion. Moins 17, c'est pas terrible. Bon, attendez. Parce que là, s'il se passe rien, ça va vraiment pas bien se passer. Donc là, moins 400, je temporise un petit peu. High Mage. I ain't doing that. Ça se reforme assez doucement quand même. Je vais virer tout ça. Ici j'ai 5 unités en garnison, d'accord. Et ici au fait, si je fais ça, l'ordre public ça dit quoi? Moins 5. Non, tant qu'à faire j'aime autant essayer de le maintenir. Bon, au moins là ça me donne du temps. Mais assez peu de possibilités. Oui, oui, la campagne sera aussi sur YouTube. Il faut XP avec les rébellions. Je peux le faire du côté d'Eltarion, mais du côté d'Ultuan, ça va être très compliqué. Du côté de Thorivres, avec les rébellions, ça va être plus compliqué parce que l'armée est quand même beaucoup moins forte. Eltarion reste puissant, même si je lui ai enlevé des unités, parce qu'il a toujours ses lions, il a toujours son phénix, donc bon, il est quand même violent. Coût de construction, plus 15%. C'est bien, ça. Ok, j'ai le bâtiment qui est venu ici pour me faire un peu de thunes. Bah, Gorgazan, ils vont arriver. Ils sont en guerre contre qui, eux? Ah, Khemri. Chevalier errant. Donc, Khemri est pas loin, en fait.
Je devrais aller vers Gorgazan, mais je vais me taper une rébellion. Si je sors moins 12, je vais laisser la rébellion arriver pour Tyrion. Pour Eltarion. Ce sera mieux. Ok, donc lui. À la star. Déjà ? Tyrion, il a déjà pris. Ah, un des nouveaux portraits pour le noble. Il y a des nouveaux portraits avec le. Enfin, qui viendront gratuitement. Ils ont retravaillé certains trucs. Bah, si je peux avoir un accord commercial avec celui-là ! I am the defender of Ulfwan. Absolutely not. I cannot. Not possible. C'est bon, avec ça va s'améliorer. Et il va finir par le prendre. Il y en a pas d'autres ? Non, il y en a pas d'autres, c'est terrible. Comment ça ? What? Comment ça se fait ? Greetings. C'est fou, tout le monde me déteste. Pourquoi tout le monde me déteste? T'as pas de port construit. Bah si. Si j'ai un port. À Tralinia, il y a un port. Et donc Thor Ivresse va pour le truc. Oh, merci Ruby, Manskeven, merci pour les 5 subs offerts. Ça aussi, j'ai changé dans les alertes. Maintenant, ça n'est plus. Quand on offre 5 subs, y a plus, on n'entend plus 5 fois le truc, on l'entend une fois, ce qui est un peu plus logique. Merci beaucoup, Ruby, Manskeven. Et oh là là, Kalmos, toi. Rébellion imminente dans les terres arides du sud. Et ben voilà. Et ben, on va se mettre en embuscade en prévision de. Et on va se faire un petit peu de pognon. Ah, en attendant, je vais faire ça. Vu que je suis en positif, on va en profiter. Et essayer d'upgrader un petit peu tout ça. T'as pas la région maritime. Bah, qu'est-ce que vous racontez? Je peux faire du commerce. Attends. C'est une île. Et donc la route commerciale passe pas par là. Mais c'est pas grave, je veux. Si de toute façon, si Tyrion il a pas. Voilà. Là il va commencer à vouloir des trucs. Allez, on va commencer à gratter. Et il suffit que Tyrion il prenne ça et c'est bon, hein. Commerce en avant. Hein. C'est pas relié à ma capitale. Oh mais foutre du. Ouais, mais il va s'énerver, il va prendre ça. Et en attendant. Moi, je me serais fait une rébellion. Un peu de thunes. Et j'aurais renforcé l'armée éventuellement. Ok, là, il y a le machin qui arrive. Je suis étonné que les orques sauvages ne me réattaquent pas, n'empêche. Je vais pouvoir capturer un autre personnage avec la rébellion et du coup me faire une autre exécution, ce qui permettrait de regagner de l'influence. Je veux utiliser à fond l'influence pour me faire des alliances et tout ça. Et ça devrait bien se passer. Ah oui, détruit confédéré, quoi. Ouais, ça devrait être une... banalité, mais je vais la faire parce que du coup si je la fais en automatique, en gros le jeu va décider aléatoirement si je capture le personnage ou pas. Ici, ce qui m'arrange pas des masses parce que je veux être sûr de le capturer. Si je joue la bataille, je suis sûr de le capturer à un misclic près, mais sinon ça marche. Alors, mes deux unités de blocage. Attendez, aux elfes. On va mettre de bons gros blocs tant qu'ils n'ont pas d'artillerie. Ah, merci Ruby Manskeven qui offre 3 subs de plus. Merci beaucoup. Oh,
archers. Understood. Ah oui, c'est seulement deux tireurs, ouais, c'est pas terrible ça. Ah, ils ont des loups. Du coup, le phénix va comboter très très bien avec les loups au début. Contre ce genre d'unité, c'est parfait. Pour vaincre la mobilité adverse. Regardez-moi ces petits lions. Alors ça ne vaut pas l'idole de pierre, hein. On est d'accord, mais ils sont quand même assez stylés, hein, comme bêtes de guerre. Ils sont pas très nombreux par contre, ce qui les rend quand même, mine de rien, assez vulnérables. Alors là par exemple, tac. Non, le phénix il peut y aller en fait. Bon, le phénix il peut même y aller sévère. Hein. Alors attention le vortex. Attention le vortex. Paf! Bim! Et là ça pique. Et là ça pique. Voilà, les lions ont massacré les chevaucheurs de loups. Évidemment, ils font beaucoup plus de dégâts. Et sur de l'infanterie comme ça, autant le dire tout de suite, on peut très clairement balancer le phénix au milieu, il risque rien. Voilà. Avec ses animations déjà, ça, il fait le café. J'engage pas, mais pas nécessairement, mais mon infanterie de contact pour le moment, parce que ça ne sert pas à grand chose. Ils sont pas là pour faire du dégât. Donc voilà la capacité de Deltarion qui se déclenche toute seule de temps en temps. Le seigneur, c'est un seigneur quoi? C'est un seigneur chaman gobelin, donc il va être plutôt facile à capturer. Je vais commencer à l'attendrir un petit peu avec le phénix. Phénix qui fait quand même mal sur les cibles uniques. Bon, ouais, là avec ses animations il va avoir un petit peu de mal de le toucher, mais ça va bien se passer. Voilà Eltarion plus le phénix, ça va être assez violent. Bon, là je vais commencer à engager un petit peu. Alors attention, parce que là ça peut aller très vite et du coup je veux pas le louper avec la cage. La cage l'immobilise aussi, évidemment. Paf! Oh oui, mais des patates! Je vais attendre encore un peu. Ouais, là, c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt pour la cage, je risque de le louper. Il suffit que... Ah. Bon, bah dans ce cas... Faut que je l'immobilise. Et prier pour qu'on le touche. La cage lui fait des dégâts. Lui fait déjà des dégâts en elle-même, mais pas énorme. Oh! Oh, Tyrion! Il faut que j'arrête de l'appeler Tyrion, moi! Eltarion! Prends ce petit coup au but! Allez, touche-le, toi! Ah, il l'a loupé, mais bordel! Je l'aurais pas, je suis dégoûté! Oh, voilà, ça dure pas longtemps. Hein. Faut vraiment... Mais j'avais pas le choix, sinon il allait foutre le camp. Enfin, ou alors j'aurais dû balancer le phénix. Ouais, j'aurais pu l'avoir. Eh, quoique, s'il recule, je peux y retourner et le choper cette fois. Bah, ça ne marche pas à tous les coups, hein. Lance d'ambre bleue. Oui, c'est un peu ça. Mais il a pris tarif. Bah bon, c'est un personnage qui est pas du tout protégé. Pas fait pour absorber ce genre de coups. Aïe, mais... Putain, mon doigt, il a cliqué! Voilà! Merci, Char d'Assaut, pour les 10 subs offerts! Coin is over. Ah oui, les lions, ça tabasse, hein. Tant qu'ils sont sur des unités pas trop fortes, ils nettoient tout, hein. C'est violent. Oui, la thune, du coup. Ah, je peux le retenter et le recapturer. Allez, on va faire ça vite. Potion d'endurance, donc de la régène de points de vie.
C'est bon ça. Production de ressources échangeables en plus, pourquoi pas. Oh, chance de succès d'une embuscade, non, je prends ça. Je sens que je vais en avoir grandement besoin. Ah, mais non, c'est bon. Alors, vu l'état du truc, là, ça va être très simple. Je vais balancer le phénix dessus et point terminé. La cage et c'est fini. Et le reste, ils tiendront pas de toute façon. Donc vous voyez à quel point le phénix, c'est violent. Hein. Phénix et les lions d'ailleurs. Hein. Quand même des très très bonnes unités tous. Surtout pour du début de campagne. Oh, attends. Là, c'est pas impossible que la cage suffise en elle-même, quoi. Voilà. Allez, c'est bon. J'aurais dû régénérer un petit peu le phénix, tiens. Voilà. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Au revoir YouTube. Une campagne qui promet encore moult sel. On se retrouve très bientôt pour la suite. Des bisous.